La méduse est assez primitive et cette capacité à être immortelle est cachée en elle. Aujourd'hui, nous ne pourrions pas appeler un film l'année des méduses parce qu'il y en a tous les ans. Petite mer au milieu des terres qui n'est qu'une goutte à la surface de la planète. Mais le joyau que je cache, c'est la vie que j'ai dans mes os. L'île d'Asinara a longtemps été une des portes d'entrée de la Sardaigne. Une terre où l'on mettait les équipages en quarantaine avant de les autoriser à regagner les provinces de l'île. Mais par contre, tu vois, je trouve vraiment l'endroit très joli. Puis, j'avais jamais vu des lazarets pareils. Et tout a commencé en 1854, quand le roi de Sardaigne décida de faire construire le phare de la Punta di Sgombro. La satisfaction, c'est bien sûr le bien-être de l'animal, de la chèvre, si je la vois en forme. Et après, quand tu arrives à sortir un bon produit que les gens te complimentent sur ton fromage et ton brou, tu vois. Il y a une partie du troupeau qui est là, l'autre qui est un peu au village. Et il y a une partie aussi des femelles qu'on a décidé de garder avec papa parce que je voudrais un peu augmenter le cheptel bovin. Et du coup, c'est toujours gratifiant de les voir naître, grandir et surtout de les élever. Parce que ce sont de véritables survivants de l'extrême. Ils ont mis en place des stratégies incroyables pour s'en sortir dans les endroits les plus durs. En réalité, ce sont des feuilles atrophiées. Elles sont devenues les plus petites au monde, de manière à ne pas être gourmandes en eau. C'est compliqué dans les déserts.